galère. Non. Guigui va vous aider. Avant toute chose, préparez-vous à petit listing. Premier conseil, soyez économique. 10 jours, 7 culottes. 2 paires de chaussettes, pour ceux qui partent en Bretagne. Des strings de pied. Des tongs, bien sûr. Tout qu'est-ce qui est trousse de toilette. Un pyjama. Ouais, je dors seule, je mets un pyjama. Une crème solaire. Sauf les Esquimaux, ils prennent une crème polaire. Un chapeau, des lunettes, un laxatif. Ne laissez pas une crotte coincée, vous cachez le séjour. Et tout est on the table. Maintenant, il s'agira de plier correctement pour que tout rentre facilement dans cette petite valise. Méthode Marie Kombo. Marie Kombo. Marie Kondo. Marie Kombo. La méthode japonaise. La première chose qui marche, c'est de rouler les vêtements. Au plus que vous roulez, au plus que vous en mettez. Moi, j'appelle ça la méthode fricadelle. Toujours prendre sa robe de majorette. Ne jamais passer à côté d'occasion de faire un défilé. Hop, bon, le Japon, ça va bien 5 minutes. Nickel. Il ne reste plus qu'à fermer. Oh, ça dépasse. Ça... Et voilà le travail. Finger in the nose. Et comme disait ma grand-mère, en slip, en doudoune pour les vacances, se barrer d'ici, c'est déjà une chance.